Bonjour. Ceci est le sixième et dernier épisode de la série de vidéos sur l'histoire de la France pendant l'époque victorienne, de 1836 à 1936. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la France est devenue la première puissance mondiale, en reléguant la Grande-Bretagne au rang d'île sans grande importance. Nous avons vu comment les alliés de la France ont décidé de les trahir, donnant comme raison que la France était trop belliqueuse. Quelle idée ! Enfin, nous avons exposé le dernier problème rencontré dans les années 1914, le problème de l'expansion. En effet, la France veut récupérer les 5 territoires britanniques en Afrique. Pour cela, plusieurs demandes sont envoyées et sont toutes acceptées, mais uniquement l'objectif principal est pris en compte. C'est une bonne chose, vous me direz, mais le problème est qu'il est acté que la France doit maintenir une paix de 5 ans avec ce pays, avant de pouvoir refaire une demande. Le timing est donc serré, il ne reste que 22 ans à la France pour récupérer tous les territoires d'Afrique. Alors que faire? Plusieurs penseurs se sont réunis pendant des semaines, sans trouver de solution, jusqu'à ce que l'impossible soit proposé. Il faudrait que la République française fasse de la Grande-Bretagne un pays fantoche, puis que 5 ans plus tard, l'ensemble de la Grande-Bretagne soit annexé et entièrement intégré à la France. C'est une idée qui n'avait jamais été proposée par le passé. La Grande-Bretagne a toujours été un pays puissant dans toute l'histoire de l'humanité. Et cette solution est-elle seulement possible? La réponse est oui. La France a tellement tapé sur son voisin que son rang de puissance a fortement diminué et que la Grande-Bretagne est maintenant considérée comme une puissance mineure. C'est le 15 avril 1915 que la Grande-Bretagne est finalement annexée. Elle acceptera le coup diplomatique de la France pour devenir un sujet français. La France contrôle enfin ses rivaux de toujours, et imposera même de rouler à droite. Continuant sur sa lancée, en 1918, commença une guerre qui sera nommée la Grande Frayeur. En voulant annexer les territoires sud-africains, la France s'est vue attaquée par la Prusse, ses voisins, restée neutre depuis plus de 100 ans. C'est une guerre particulièrement difficile, qui vit la France perdre de nombreuses batailles, et même arriver aux portes de la défaite. C'est finalement après 4 ans de guerre et le licenciement de la majeure partie des généraux français que Berlin tombera, et que la Prusse libérera l'Anhalt, le Nassau, la Westphalie et le Lübeck. Les conquêtes de territoire continuent. En 1922, la France souhaite faire de l'Espagne un pays fantoche pour récupérer les nombreuses îles aux alentours de l'Afrique. Ces derniers seront rejoints par le Modène, les Philippines espagnoles, le Mexique, la Compagnie des Indes orientales, l'Ukraine, et les Indes orientales néerlandaises dès le début du conflit. Puis plus tard, ils seront rejoints par la Russie, la Corée, l'Empire ottoman et le Japon. C'est l'entièreté de l'armée française qui est mobilisée, avec plus de 700 000 hommes et de nombreuses flottes, pour environ 1 600 000 têtes pour ses ennemis. Ce fut une guerre étrangement facile, qui se termina en moins de 3 ans. Bien que nombreux, les armées ennemies se battent toujours en majorité avec des armes qu'utilisait la France il y a 80 ans, c'est-à-dire quelques fusils, là où la France possède aujourd'hui des chars et de l'aviation. En 1927, peu de territoires en Afrique ne sont pas français. Même si cette dernière est totalement bleue, certains appartiennent encore aux sujets français. Cela doit changer, intima le président français. Le Portugal est ainsi annexé en 1927, et il en sera de même pour l'Algérie en 1928, pour finir par la Grande-Bretagne et le Maroc en 1929. C'est ainsi que l'objectif français sera réalisé le 4 juillet 1929. La carte de l'Afrique est toute bleue, et le seul nom de pays qui est inscrit est celui de la France. Pour récapituler, bien qu'entourée d'ennemis, la France est devenue la première puissance mondiale. Elle atteindra un PIB de 2 milliards de pounds par semaine, ainsi qu'une population de 284 millions d'habitants. Elle aura conquis l'Afrique, soumis l'Europe et une grande partie du monde. La France aura libéré de nombreux pays. À l'international, tous les gens boivent du vin, chantent la puissance du coq et redoutent ces irréductibles Gaulois. Ah non, ça c'est une autre histoire. Le Canada sera même libéré et son drapeau coloré aux couleurs françaises. Et avant 1936, la France se sera même permis un petit tour aux Indes. Je cite, « juste pour le fun ».
C'est ainsi que se termine cette série d'épisodes sur l'histoire de la France pendant l'époque victorienne. Il est maintenant l'heure de l'interrogation. Sortez vos feuilles et vos crayons. Ou un bloc-notes sur votre PC. Non, c'est pas une blague. Je vais vous poser 5 questions. Un point par question bien répondu. Attention, je ramasserai les copies. Vous êtes prêts ? On commence. Question 1. Quel est le pays rival naturel de la France ? La réponse était la Grande-Bretagne, mais on acceptait aussi les Anglais. Deuxième question. Le roi Ferdinand Philippe d'Orléans a-t-il fini décapité ? Oui ou non ? La réponse est oui. Quel pays a réussi contre toute attente à prendre Gibraltar lors de la guerre franco-britannique de 1848 ? La réponse est le Maroc. Quatrième question. Quelle fut la seule chose exposée lors de la Grande Exposition de Paris ? La réponse est un film. Cinquième et dernière question. Quels sont les deux pays connus pour avoir honteusement trahi la France ? La réponse est le Brésil et les États-Unis d'Amérique. Un demi-point par bonne réponse. Merci de me rendre vos copies ou vos notes. J'espère que cette série d'épisodes vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain 15h pour un nouveau sujet d'étude, un témoignage datant de l'Antiquité fait par les Spartiates. Yo tout le monde, c'est Thiob. Je fais un petit aparté en fin de vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne très récemment via ce let's play narratif avec la France. J'espère que vous avez bien aimé les petites références, les petits pics de temps en temps aux Anglais, ce genre de choses. Mais les let's play narratifs ne s'arrêtent pas là. Vendredi prochain, comme l'a dit le narrateur, il y aura un nouveau sujet d'étude, en fait, c'est un nouveau let's play sur cette fois Rome de Total War, dans lequel nous suivrons les Spartes, et on verra comment ils ont fait pour devenir la grande Sparte si attendue. Pendant le let's play narratif sur Rome 2, il y aura peut-être le début du let's play narratif sur Civilization 5 dans lequel on va jouer la France, pareil. Voilà, le tournage n'est pas encore fini, donc je préfère avancer sur Rome 2 dont le tournage est déjà un peu plus avancé. Mais si j'ai le temps, je sortirai quelques épisodes le vendredi ou le week-end en tant qu'épisodes un peu spéciaux avant de reprendre, une fois le let's play de Rome 2 Total War terminé, le vendredi. En attendant, vous pouvez retrouver sur la chaîne un let's play sur la Prusse qui a commencé lundi, il y a 2 jours. Donc il y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Pour avoir avancé le tournage, je peux vous dire que ça va être simplement sur une conquête du monde. Hein. Au début, c'est assez tranquille, mais je peux vous dire qu'à un moment, ça va booster fort. Ça va booster très très fort. Voilà, si vous ne voulez pas louper les nouveaux let's play, les futurs projets, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle très rarement, mais si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, il va y en avoir encore pas mal d'autres. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain, 15h, pour le premier let's play de Rome de Total War. Allez, encore une fois, merci à tous et à toutes. C'était Thiob. Ciao.